Merci. Bien-aimé dans le Seigneur, loué soit Jésus-Christ et bienvenue à nouveau dans cette émission. Et mon frère là-bas, qui a la partie technique, nous donnera sans hésiter un chant à l'Esprit Saint et nous allons invoquer l'Esprit Saint à nouveau dans nos vies. N'y a pas mon bon coco qui le gomme de Dieu, amen. Et y a nos vies là-bas, la citron le wana yanchi, et watcho bon coco, hare, vana mi enemi a cho doubraï, a fille mi a te di wana yagome, et même à nos mères. Ô Père Saint, comble-nous de ton Esprit, Esprit Saint. Ô Père Céleste, merci pour ton amour, pour ta grande miséricorde, et grâce auquel tu as livré ton Fils sur la croix pour nous, pécheurs. Nous te disons merci. Merci parce que tu as pris sur toi les péchés, les malédictions. Merci. Nous te remercions vivement, sincèrement, pour la force de l'Esprit Saint, don gratuit de ta part. Chers auditeurs de Radio Maria Togo, encore de nouveau dans cette émission et dans l'octave de Pâques, la fête des fêtes. La résurrection de Jésus-Christ, notre résurrection. Nous allons entamer
un sous-thème. Et ce sous-thème s'intitule par une interrogation. Le voici. Respecter ou obéir aux interdictions alimentaires venant de nos familles, de nos villages, de nos maisons respectives, ne constitue-t-elle pas pour nous un blocage spirituel? N'est-ce pas vraiment un blocage dans notre vie tout entière? Voilà le sous-thème qui va meubler nos interventions, si Dieu le veut, nos interventions de ces lundis qui vont se suivre. Respecter ou obéir en tant que chrétien aux interdictions alimentaires ou d'autres interdictions venant de nos clans, de nos milieux de vie, venant de la tradition de nos ancêtres, de nos maisons familiales ou bien de nos villages, en tant que chrétien, ne constitue pas tel, ne constitue-t-elle pas un blocage spirituel ou bien un blocage de toute notre vie? C'est une question à chacun d'y répondre, à revoir sa vie avec le Christ et ce que le Christ nous recommande. Et fort de cela, ou bien fort est de constater que beaucoup mélangent la force divine et la force de la nature. Et chrétiens, nous n'arrivons jamais, et cela se traduit par nos actes, surtout, nous n'arrivions pas par nos actes à identifier ou à différencier l'Esprit Saint des autres esprits. Si nous arrivions à comprendre ce que c'est que l'Esprit Saint, et la Bible nous le dit, et déjà nous nous préparons pour la Pentecôte, les attributs de l'Esprit Saint et sa force au milieu de nous, sans lui, on ne peut rien. Et nous sommes justement au temps de l'Esprit Saint. Si nous n'arrivions pas à mettre la différence entre l'Esprit Saint et les autres esprits, notre propre esprit et les autres esprits, donc nous allons toujours demeurer dans le syncrétisme ou bien dans la prostitution spirituelle. Je crois, en répondant très tôt, qu'effectivement, essayer de garder de nos clans ces interdictions aussi multiples, c'est obéir non pas à Dieu, créateur du ciel et de la terre, mais c'est d'obéir ou d'adorer ou de vénérer la création à la place du créateur. C'est obéir à des entités démoniaques et sataniques de nos villages, de notre maison familiale. Ainsi dit, de nos clans. Les chrétiens sont nombreux à être dans le cas.
Lorsque on dit souvent chez nous, on ne fait pas ceci. Chez nous, on ne mange pas ceci. Chez nous, on ne se comporte pas ainsi. À des événements, il va falloir faire des libations. À des événements aussi malheureux, il faut des rituels pour pouvoir congédier les esprits mauvais. Je souligne ici toujours, je le rappelle toujours, que l'obscurité ne peut pas chasser l'obscurité. Quand on trouve qu'un malheur s'abat dans un village et on trouve que c'est parce qu'on a enfreint à des interdictions provenant des divinités de nos aïeux, de nos ancêtres, c'est ça qui attire le malheur. Je crois très bien déjà, et vous croyez avec moi, que c'est les péchés qui attirent le mal dans notre vie et ouvrent pas mal de portes. Et le malheur nous frappe. Et souvent, chrétiens et même païens, ainsi on accuse Dieu. Pourquoi il a permis que deux frères se sont égorgés? L'autre a égorgé l'autre. Pourquoi Dieu a permis cela? L'être humain continue par accuser Dieu. Or, Dieu n'en est pour rien. Il nous a donné des prescriptions et des prescriptions de paix. Des prescriptions qui épanouissent l'homme, qui apportent le bonheur, le vrai bonheur. Et je vous donne ma paix. Et je ne vous la donne pas comme celle du monde, nous dit Jésus-Christ. Ça veut dire que à chaque mot placé, Satan prend sa part et la part de Dieu est là. Mais souvent, l'être humain prend la part de Satan. C'est-à-dire la signification que ce mot simple peut comporter. Notre malheur, c'est de continuer par accuser Dieu. Quand un malheur frappe un membre plus proche ou lointain. Le chrétien doit être quelqu'un qui rend grâce au Seigneur et arrive à lire les signes des temps. Nous sommes des gens, pas des étés noirs, mais la lumière portée. La lumière qui est le Christ portée au peuple. Mais si c'est nous qui essayons d'éteindre cette lumière, jamais nous pouvons l'éteindre. Parce que la terre n'est pas arrivée à retenir la vérité sous elle. Donc, obéir aux entités, croire qu'enfreindre les lois, c'est désobéir, non pas à Dieu, mais aux forces de la nature, à la créature dont nous-mêmes nous faisons partie. Et Dieu nous en a fait maître, ce que nous oublions aussi souvent. Mais contrairement, aujourd'hui, c'est la nature qui maintenant contrôle nos vies, qui nous dit ce que nous devons faire. Plus Dieu. N'oublions pas que dans toute famille au monde, et étant en Afrique togolais, dans toute famille, il y a de ces entités démoniaques et sataniques, délaissées par nos ancêtres, parce que ils l'ont adoré et vénéré. Et cela se transmet. Et on nous dit souvent que c'est des forces de la nature.
et on cite les héros de nos familles et qui ne sont qu'eux. Et là, nous faisons aussi la confusion entre les exploits que Dieu a accordés à l'homme et la magie. Quand on me dit que voilà le coupe-coupe dont a servi mon grand-père pour pouvoir abattre un buffle, et c'était une vérité, non pas un fait légendaire, non plus un conte, mais que c'est une réalité et que il prononce des paroles incantatoires à chaque moment où il rencontre le buffle pour l'abattre sur son coupe-coupe, et que le coupe-coupe de lui-même danse en l'air, et qu'il va falloir des gymnastiques magiques pour pouvoir abattre et ramener lui seul à son dos un buffle. Et vous savez combien de kilos pèse le buffle et combien de kilos peut peser un être humain, et qu'un seul être humain puisse, de manière magique, parce qu'il a dû invoquer les forces de la nature, il a dû invoquer les forces de sa maison pour pouvoir transporter lui seul jusqu'à la maison le buffle. C'est la magie. Et Dieu est contre la magie. Nous tous, nous le savons. Et aujourd'hui, cela est érigé en fétiche. Et que les membres de cette famille, la progéniture, doivent obéir. Parce que c'est cela qui a sauvé la vie à leur grand-père. Donc aussi, leur vie est ainsi sauvée. Il faut maintenant, dans la maison familiale, dans notre famille, il faut respecter ceci. Et c'est obéir seulement aux entités. On se dit chrétien, on vient à la messe, mais on continue d'exécuter, d'obéir à ces interdictions venant de l'exploit magique de mon grand-père qui s'est adossé non pas à Dieu créateur du ciel et de la terre, ne s'est pas adossé à l'Esprit Saint avant d'opérer, voilà, un tel exploit. Et nous, on continue cette génération qui se disent aujourd'hui génération chrétienne, parce que tout être humain créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, qu'il a choisi aujourd'hui d'être adepte de Satan ou pas, aime les bonnes choses. Et personne d'entre eux ne peut dire, affirmer, convaincu de cela. Donc, pour ces jours, permettez-moi de pouvoir d'abord essayer de vous donner ici les divinités de nos ancêtres. Et ces divinités délaissées aujourd'hui et toujours adorées et vénérées. Et que la progéniture continue d'y aller quand il est dans le besoin, pour demander la faveur à ces entités démoniaques et sataniques, au lieu de se tourner vers celui qui l'a créé. Nous continuons dans nos familles et nous l'appelons Dieu avec grand D. On attribue ce qui est à Dieu aux forces de la nature. On les confie aux entités démoniaques à qui on donne adoration. Seul Dieu, tu adoreras. Nos ancêtres nous ont laissé des divinités qu'ils ont adorées, respectées, obéies. Il y a la divinité des forêts.
Nous allons les prendre une à une. Les divinités. Je ne dis pas la divinité, les divinités de la forêt. Puisque ils sont des agriculteurs et des chasseurs. Et en parcourant la forêt dense ou bien clairsemée, ils ont rencontré des animaux qui et sont que l'incarnation des fétiches, des esprits mauvais s'introduit dans l'arbre, arbre géant. Et jusqu'alors, dans nos villages, même ici aussi à Lomé, vous trouverez toujours des arbres géants à qui on donne adoration. Et c'est les esprits mauvais. Satan s'est approprié des biens que Dieu a donnés à l'être humain afin qu'il s'en serve et qu'il jouisse de tous les biens que son Créateur lui a, dans sa bonté, lui a confié, lui a donné et de gérer. Ainsi, à chacun de nous, on nous donne de parachever la création et non d'adorer la création. Ainsi, nous rencontrons les divinités de la forêt. À la prochaine émission, si Dieu le veut, nous aurons à les prendre un à un, afin que tout le monde arrive à comprendre désormais qui n'a rien à foutre avec ces interdictions venant de la maison. Le bien que nos aïeux nous ont laissé plus et qu'aujourd'hui, au lieu de pleurer, alors c'est devenu objet de joie pour beaucoup. En tant que chrétiens, ils sont partagés, ils sont divisés entre la foi en Jésus-Christ et la foi à des divinités de la forêt, à des divinités végétales. Divinités de la forêt, vous savez que le chef, c'est les fées. Aguin, les fées. Chez les, je ne sais pas, c'est les Yoruba, je ne sais pas trop. Ils ont d'autres appellations. Les Oro. Les divinités de la forêt, les Oro. Au Bénin, au Togo, chacun donne le nom qu'il veut. Différent de l'Esprit Saint, celui qui est chrétien, il ne connaît que l'Esprit Saint. Il ne connaît pas d'autres esprits. Esprit des forêts. Non, il ne connaît pas ça. Mais nous allons voir si ces forêts, ce qui se dégage, ce qui vient de ces forêts, est-ce la volonté de Dieu? Ou bien celle de Satan. Est-ce que c'est des tragédies dans ces forêts? Est-ce que c'est la joie dans ces forêts? Ou bien de l'amertume, des cris de détresse, des êtres invisibles qui se tordent de douleur et qui viennent menacer parfois les habitants tout autour et mener les habitants qui vont souvent aller les adorer, les vénérer. Nous rencontrons pas mal de personnes en les accueillant. En même temps, quand ils vous disent ce qui leur arrive, vous comprenez en même temps que le sort qu'ils lui ont lancé venait de la forêt. Venait des esprits de la forêt. Et sûrement lui-même, il a ouvert des portes, peut-être à la recherche des biens de ce monde. Il y a la divinité animale. Et dans nos maisons, on parle des adélans. Ce n'est pas tout le monde qui est chasseur. Il faut être aussi initié. Il faut être doté des forces.
à celle de l'Esprit Saint avant d'aller chasser. Il y a la divinité, malheureusement, des divinités qui réclament et boivent le sang humain. Nous allons en parler. C'est une réalité. Et ainsi, nous allons essayer de voir le rôle de ceux qu'on appelle les ablafos. Ablafos. C'est une réalité. C'est quel commandement qui dit tu ne tueras pas? Et Jésus va même dire, quand tu te mets en colère contre ton frère, tu l'as déjà tué. Divinité qui réclame le sang humain. Et il a des garants pour lui livrer, il a des adeptes pour lui livrer le sang humain. Nous les appelons les ablafos. Les ministres de l'intérieur, des chefs du village. Vous avez les réalités devant vous, que cela ne vous fâche pas quand je le dis ici. C'est pour nous aider à comprendre quand nous allons dire nous croyons à Fa et que nous avons obtenu à Fa ou Fa et que nous sommes fiers de notre maison du siège ancestral avec les interdictions liées à cela, mais nous demeurons encore chrétiens. Il faut compter de cet instant, savoir là où nous nous situons réellement. Il ne faut plus porter des masques. Il faut enlever ces masques et les déposer désormais, les lancer loin de nous, les jeter à la croix de notre Seigneur Jésus-Christ une fois de bon. Et vivre en enfant de Dieu, en enfant libéré par la passion, la souffrance, oui, la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et que désormais, c'est l'Esprit Saint seul qui anime notre vie. Il y a la divinité des eaux. Et là, vous savez que j'en parle beaucoup parce que c'est lui qui est à la tête de toutes les divinités. Peut-être on va plus parler de la divinité des eaux parce que on en a tellement parlé, il y en a toujours à dire. Voilà. Pour le moment, je crois que c'est une petite introduction. Et prochainement, nous allons les prendre un à un. Vos apports seront les bienvenus. Je sais que vous connaissez. Et je remercie les nombres de prêtres qui sont tout le temps à l'écoute, qui encouragent cette émission. Je leur dis un sincère merci, les consacrés, même les moines, dans leur milieu recru. Ils sont toujours à l'écoute, je les remercie. Les chrétiens fidèles ici et de la diaspora, vous qui encouragez, qui comprenez. Et je remercie aussi ceux qui, aussi parfois, ne sont pas d'accord parce que Jésus n'a pas été toujours accepté dans ce qu'il dit. Et puis, le disciple n'est jamais au-dessus de son maître. Aussi, notre parole trouvera des échecs. Il n'y a pas de souci. La vérité, je crois que il faut l'acclamer. Il faut l'acclamer. Nous venons l'entendre. Mi d'akwe ne mawe. Ek bomi akbe. Christ au fond. Yo bom yon tomi jami gbagbe le Yesu Kristo ma ti jonya gande eh kafkafu ple akpe dada ye mi chona mau amenu veve pe mau no blani popo pe mau lon lon top pe mau eh nane kemo chona ganku mene yo la bena no kata chogbo e yo tianu ona nu sianu fa ye mun kwenye chochoke fima me nse le sile. Et bon, quand nous blanchis popo, il était au nom de Kata Toro. Il m'a d'accord, mais ne vaut. Nous venons de Toro, au milieu, il tombe dans nos mains. Et ben, Mimi dit, il y a le bémi à soppli à zon. Il y a un caméia, monsieur Merola T. Ah, trivivitime, ben non, non.
et à trimon vezozon à décibe chala et non vivitime et béa et ma basse pléto et ma fort ma balle il y a fort le tepe de haut nanoa manye nou a djaye a haye a nye vonvon le ipe djino ye ta e ta nya yo mye tcho shoge alo mye tcho agba founu kou den chia a webe a me ya ketu yo a kwe a webe a la se yesu kriso ye di yobe ye khose a a se gome nye e yo a se vivine e la bena nye ba poume a poume nye kouke alo enye nou kilkili nam yabe khose be non non e la bena obo kou kwa nou bina ye yado godo 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 e ye miye tok bi wwa menye Afrika de de ou kikhi ak pata le vivitima menye Afrika de kaye ou kikhi ak pata le vivitima yete a Yesu Kristo vado yo va honti lan o nou akbe be miye nou akbe azon e ye ou pefu de nye ta ale ben vosa yo katan menye akbe to le di ma ou ke le o vosa ou nye e tron subo subo le yi bak be me a nan ou va chon sene son gena le ne zon le se ya di me gado ma ou bu bu a de krebe ya se ou e gonyi be gbe ya ke so to ou katan miye jabak ba miye do jesi vovo to to yi ne le ma ou bok bok koko e yi ne nye ma ou bak ple bok bok mako mako mi nye mi nye mi yo nye bok bok mako mako pe do wona mi jesi yo nye be mi a tok be wa ma ou nye ma ou vi ou nye ma ou e wo ou abale yo wo ki kia man nou de si a de ne vo gbe gbele ba je ki kia me a de gbe gbele la dan di cho ke ke gbe de gbe ke enye satana nou se ye ma ou chone ya e chwe le nou gbele de ma ou pe nou ve ve o mi enye ne anti ye ta e mi a tok be wa bo bo to wa ou ke ke kule ya je si ne de fi ma nye be nye le blomo be ka be di nya ma nye o je si ne de fi be na de nya to gbo mo subo ma wu yi ne o ji po pla ni gbon o ji e tu abraham di ka ka ba ko re nya to gbo o ji na africa fi da fi ja di re o di ma wu to article pe o ji yesu christ va de ku fi anson je si ma wu be nya to gbo wa de nu yo gble da ri ni ni ya de non vi no to nous yo blé dari ne nia na me yo patane non pou pou ne ne me non pou pou o chon non pou pou ma nous yo blé dari ne nia nous yo ba pou ma nia pata mi ba pou de pou pou e yi me nyen to mo jocho fu yi me me mo jocho ko fu yi me mo jocho fi o jo bo de jira nyo jimi o bo jimi do fi mi to ku mi no cho fi to gbe nyo cho no yi fi ma gbe 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 anu yo gbele dare ya menye yesu kristo ba ti cho gayo re a ore menye yesu kristo ba ti cho gawo o gbele dare na mi jiji me ore allo ne me gbele bara mi na manya zande ya a yesu kristo ba ti cho gawo gbele dare na mi 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 abo pu mo mo ne mi apo nu ye mi to gbo gbele dare na mi ka fi mi na o yo be menye vaju yo be ma u be no do kwe ki ki ya be nseye yi me amagbe to nglo bebe ma wu wo khihi ya yo bo amagbeto pete pete ya e cho amagbeto do nu katan uru na gbon na mi ejeji e yi agbeto e agbeto na nko nu katan fifi ya agbeto a yo jo asubo me ni wu e ma wu ni wu ya agbeto jo ba le subo nu yiye enu yiye enu yi do la subo ya fike mo nu ma wu chone be no ate wa te pedenti ne o ne o vo o na me gbeto po me o vo a ne ne be nu a gbeto ba le subo e nu ma he la subo we we le jo ba le subo e ye tai o de le gba go me be le mba e chromlo
Eva. Yangwa boloi. Nous y oublions ton problème d'arriver mien. Le fou mon pas ta mère. Fou mon de kemel y jane do me ava djuma liyo. E doa ou fok pe koro ou diek ba avou. Vona zan soua, gamer soua. Ou la va de pera ou fok blik kpo koro di. Ou la pwe de doba. Ou fok blik kpo koro di. Ni apwe ou mpona. Nka mien ton problème. Nous y oublions d'arriver mien yeme. Nka ou mi be. Nou mak mou milen. Nka ou nyem. Bok bok kokwe ya. Yesu kriso bati chogaya. Bibla ya. Nou kaye ou mien ton problème d'arriver mien yeme pou momo. Il n'y a pas de déconne, vous pouvez dire combien non, vous pouvez combien non. Mais il n'y a pas de Christ au tort, non, au tort. Et il n'y a pas de la foule, il n'y a pas de rien. Et tout le monde est mais on est le monde, pas trop, Jimon, le catholique à moi. Ou à Oudou, Jessie, vous pouvez, et nous, vous pouvez, vous pouvez, vous pouvez, vous pouvez, vous pouvez, vous pouvez, Satan est doux, mais il est doux. Ou à Oudou, Jessie. Nya mi yo yo le da for church come yo ko sacramento wa yo le church ya nya mi yo le globe o be men de ke yo te konu pe vo de konu to le tunu amene le de konu anwa le tunu yo ya be vedu ya le subo amene le de konu anu da ya le tunu ga sega me vedu ya le subo wa le bo be de konu e nya vedu a me be le subo tron subo la be le subo wa le bo wo ne be nye Kristo to le tu bo be me de konu ko nye be me tron subo subo yo ne me gbo ya me gbo le bara mi a pou me mi a pou mi a to gbe dari na nyina ta ta nya yin be e ko nyin yin kristo to gba poto le nyi ko e ko yo vo jodo to gbe yo nu yo gbe dari na mi a o ko no gbe na ye ro jiji me kata e do la subo vo duma ne la subo vo duma e ko le ntilo nu du du do le ami me du ne ye me le bio bena de kristo to de e ko le ntia nya ti mo me mi a ku lenke ke yom ne mau nami agbe mau demo nami la mesen ni yon ti mi agbo ne mi abe kosiari ne wa men mi la mo blema pa vo mi mate blema wo mi akri so to wo mi ame yon da fo church kwa mi la mau mi la mo blema pa mi le jen keke vo zayen bu mi le wo mba nyin kpe chon keke a chan mi yon we to garan mi yon we nyan me gban to wo me mi le pou me ame ta me tron subo subo yo Il est mis le corps. Le premier, il y a un grand roux, il y a Christ au tomitro du mouvoir. A mon pata couvre. Tant ce bol à yon, le nom de Douane, qu'on nous la ferme au couvre. Miaouia, miaouia la biop, raffino, on de la ferme en ronde. La bonne amie, il y a un grand roux, il y a un million de Christ au top. T'as un mille blanc la moum, t'as le bloc, Christ au ramé, un bon moment, un déco de connu. Amiens pour vous virer ton chi. Ma venue. Il y a tes pères de Codena Foucoué. Amoro la roue, moro ma roue. Il me tue à la paix de la foufouille. Le fadao, pata, il n'a tout dit ça. Sistao, broda, on t'a, faragato, Christo, toi, on est la paix, blé, on est le duta. N'y a pas de catane sene. N'y a pas de monnaie. Mon roi, tchali, on m'en connaît. Mima globo, pata, la roi. Doit Jésus Christ, on t'en va, à Fidoa, de Silen, et Joe Ibo. M'en connaît. Yande la yamantia. Kose ya ome zina me jomo fosu na mo. Onto we la no lakwe. Misha mi me ja fosu na mereko. Bo nyaya mi la no blon. E ine nyinyate pe reku nyano ton. Nong ba no chaka nwo. Ne miyanyi kristo to kwa miyanyi kristo to akonka. Ina me blon na jiji me miyamo kose kristo to wa mi jabagba miya jabagba. Miyamo kwa kose mi kwa no yon nubek ble ba nuyen nuyen kwa nubek ble. Miyamo kose ya jolo si ba dogolo miye ne la. Eh, maintenant répéter y a un gars mais à Dougoulou mi n'y a ni un euro, à Dougoulou mi y boit peine, rivière maintenant on a nous donné, ah oh, un maman te parle mais il dit faut de, ne l'a ni rien, pas ni rien, ne l'a ni boit, pas ni ni boit le bon là, eh, le père de vieux mais pas vieux bac beda, le vouement là que vous anti, a fait chaud froid d'eau, le coton aïe de top musique qui a dit, bon. Le poton a yin la, we me bon se se vedu no li da ou chok pe gla ou jivo, ne gamo so wade ou da gbao no, eh, we kaka mi joga do, po na vedu la po me, nou yin ya to bo gle darina mi ma. Pa mi a se konyi ni ya gomen yon, mi a se gomen yon ya, me be, mi a jagwa gba, mi a gbo vedu vo 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 yon le, mi a be, mi a to bo yo su bo, e do a hihi ya, game ya, e se un, to bo le chobe ya ve din du du, na yi son kou, yi son ou, me nye son ou, mais tant que le verre avait dit nous le papa le verre avait dit nous donna un son haut pour le vieux ah
Ne do avremen. Oh, avremen zi. E zilo du tout, 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 tout. E do ga. Viviti a tchon nan kouman nan. La vremen. La boutan. E ben, e ben. Avremen bek bok bon oli. Yo men nyu wano. Nou bek ble. Ou mwen anyo, satan amate yon mwen yo. Satan amate yon mwen yo, bere bere bere. Nya pon pou chonchi. Le do a verme la do, ga viviti la chon do. Ou i ben kounen koun koumenen koma ou non keke li an. Le do a verme, le do a bok bol a verme. Ou bo yon mwen non pwe man. Le yon wawwe kakaka la foyo la verme a chon va pwe ya. Ye di yo le. Ni man lon bo lon nov yo. Ni an tok bi gado fo vedou la verme. Chon bo va pwe man. Et yo la, ou la pou mè, bèk, 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 a pou mè, a vè mè yo, fò vè djò le, chò va pou mè. Et yè gbè yè tò chan, a mè gè do li yè, ou le chò gà nà gbou, nà gbou, nà gbou, le chlè, kè le plè vè djò, vò ou bà gbè bè nou wà, oh la la, e wòm zizi, e nou wà plè mè, ma fò nou la vè mè, chò va pou mè. Ne mè fò nou la vè mè, chò va pou mè, kè mè yè yon ti doy. E gome la zon doudou na son yekou vinyo mi adwe. Mama ni gele mi anou. O ni bela benya deta gouna yo. Me fwa bobo la veme. Me chok boba pou membe mi adwou ye. Me oun lan lek be me. Me chok boba pou membe mi adwou ye. Vone jo manya adela me gade yo lande me gade yo. Adela me gade yo lande me gade yo. Kwa nya bo zon nou bou. E gome nou yove dogo la gwa me a. Bok bo mako mako a ou don la ou me. En la ya pon la ye. Vous vous tournez, bon bon ma comme quoi, du va dans la main. Yo bébé, le bon le top, bébé, la main va dire, le temps la main quoi que ma dad, et ta top, et d'avoir du, et vous après que la tro. Et radicalement, les balles, mais les trop souvent, l'homme dîne à l'homme dîne. Mais t'as mis pour ma dame. Combien on vous tient? Mais le subo trop, bébé, le subo mao. Hein? Mais si à mon fou le camp, il y a écrit sur toi de Dieu. Il y a Jolo au bois, le mima Jolo au bois. Mima en no chacun, à que nos plans me boubou de chotromo. Mia pompou chouchi lolo. Micha ma ton pote au blona. Fema, no gamin by kabak balo. Non, vire no kame. Eh, tu virak betonia. Ne, il y a une chamia, il dit, mia tien do, 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 do. Mima do boum. Amene le kama nene. Alo. Tekbe, tekbe amene. Oui. Asi me ouli. E ma ou si mi le. Mi le ma ou si me. Amene. Ako. Après, après, même mon assimétrie. Après, amen, 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 amen. Allô, Amélie le camé. Oui, bonsoir. Ok. Après. Après. On est trop dit, mais les employés sont plus américains que les miolos. Il vaut. Et on l'a eu, on l'a eu, on l'a eu, on l'a eu, akuma pe me chevi logo lolo akuma pe dunya mema akuma pe le vogame rautwe be rautwe a 3 km de rautwe me chevi mema
Christ au tombe vono a fils et fille ma ouvre nos prêts. Miami ma von, Christ au tombe von en de co. Maman von et nous on est d'inavon. Elle a bien amené les miens maîtres à co. Yeah, ok. Akbe. Allô? Me rogbe. Tebe, amen. Yeah. Ah. Akbe. Nyame djume nyawo. Ncha djunyame. Ncha djunyame. Yeah. C'est ça. Et Mila non me croyait sous ta, Mila n'ont pas clé sous. Oh. N'ayez sous les pas clé, ou un caille la demande, non, n'en est que. Avec caca, il y a eu le bedora. Amen. Amen. Akbe. Akbe na yoyo wa jojina ncha. Jojina mi ato jino la ou. Akbe kaka. Akbe. Mi dok bana kuma pwe tok pata. Akbe. Yo, non vino lonto ou. Gamea. Ba jogo hovo. Mi dakbe na mi abeto jino non. Mi anye da sedi la ou. Na Yesu Christo. Ile keba kure nyata. Amade kema kure nyata. Vejure kema kure nyata. Maume me kure nyata. Mohamed mekao. Nyemanyo. Osofo de kema kure nyata. Etobbe de kema kure nyata. Yesu Christo de kakwe ku. Tre bak bedwani. Ye me mek bonsan. Ye mek bon gagane. Ye pe nya ou nye nyanyu. Ak be kwe nya. Nya kule ro ma vo. Ke yi ma vo men. Ye ma ou se katatona. Ye la mi adomotor de siyade. Le tola. Le vila. Kwe kwe boko kwe la. Mwen komen.